Bienvenue dans l'hebdo du revenu, tout ce qu'il faut savoir pour bien aborder cette rentrée. Notre journal vous facilite la tâche cette semaine avec un tour d'horizon des sujets qui figurent sur les écrans radars des investisseurs. Indicateurs économiques, décisions des banques centrales ou risques politiques. À la clé, notre scénario boursier pour les mois à venir que nous dévoilera sur ce plateau Olivier Dauza. Nous retrouverons ensuite la chronique de Laurent Saillard qui fait le point sur un autre sujet majeur de cette rentrée, les bouleversements fiscaux en préparation entre la flat tax sur les plus-values boursières, la hausse généralisée de la CSG ou encore la réforme de l'ISF. Quels sont les dossiers phares de cette rentrée 2017 pour les investisseurs? Sur le front économique, les regards sont braqués vers les banques centrales, notamment la BCE, qui voit sa tâche compliquée par la récente envolée de l'euro. Sur le front politique, la séquence est dense entre les négociations difficiles autour du Brexit, les élections en Allemagne le 24 septembre, les tensions autour de la Corée du Nord, et tandis que plane la question centrale de savoir si Donald Trump parviendra à mener à bien sa grande réforme fiscale. En bourse, après un été plutôt calme, le biais baissier en place depuis le début du mois de mai demeure néanmoins. Quels vont être les facteurs qui vont dicter la tendance? Quels titres mettre en portefeuille pour bien aborder cette rentrée? Nous faisons le point avec Olivier Dauza. Bonjour Olivier. Bonjour Marianne. Alors, on n'a pas eu d'été meurtrier sur les marchés, hein, mais depuis son pic de mai dernier, le CAC a quand même perdu 5%. Qu'est-ce qui, selon vous, préoccupe le plus les investisseurs? Est-ce que finalement, ce n'est pas la hausse de l'euro? Alors, effectivement, il y a la hausse de l'euro qui est susceptible de peser sur les perspectives de bénéfices des entreprises en zone euro, notamment celles qui exportent le plus ou qui sont très présentes en zone dollar. Mais la hausse de l'euro est surtout susceptible de remettre en cause les perspectives de politique monétaire de la part de la Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'est un facteur fort d'incertitude. Mais on navigue à vue sur la politique de la Banque Centrale Européenne. Oui, ça pèse beaucoup. Oui, mais il y a d'autres éléments qui sont venus un petit peu se greffer sur cette inquiétude. Sur le front géopolitique, on voit la crise avec la Corée du Nord, dont on ne voit pas tellement l'issue. Il y a également toujours les interrogations sur la capacité de l'administration Trump à mettre en œuvre son programme et à soutenir la croissance américaine. Donc tout ça se conjugue un petit peu pour entretenir l'attentisme sur le marché. Alors, il y a des facteurs positifs néanmoins, notamment ce regain conjoncturel en zone euro dont la vigueur a surpris. On voit que ça profite aux entreprises cotées. Les résultats semestriels étaient plutôt de bonne facture dans l'ensemble, vous ne me contredirez pas. Et puis, qu'est-ce qu'on attend pour la suite au niveau des résultats des entreprises pour 2017? Oui, effectivement, Marianne, sur fond de bonne croissance en Europe, mais également dans l'ensemble des zones géographiques, le moteur des profits des entreprises restera, on le pense, le carburant essentiel pour la progression des indices. Les analystes tablent en France et sur la zone euro sur une hausse des profits d'environ 10-12% sur l'ensemble de l'exercice. Et ce qu'on peut peut-être signaler, Olivier, c'est que généralement, ils ont tendance à être trop optimistes, les analystes, en début d'année, puis à dégrader au fil de l'année. Ce n'est pas le cas cette fois-ci, le phénomène ne s'observe pas, leurs prévisions restent à peu près constantes. Oui, effectivement, il y a une grande stabilité des prévisions des analystes depuis 3 mois, 6 mois, ce qui montre vraiment une vraie confiance de leur part dans la capacité des groupes à faire progresser leurs résultats et donc leurs dividendes. Alors, où on en est en termes de valorisation? On le sait, les ratios ne sont pas véritablement bradés. Est-ce que ça justifie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, il est clair que les marchés actions en Europe ne sont pas sous-valorisés. Pour autant, on n'est pas dans une situation de bulle comme dans le football, un secteur que vous connaissez bien. Disons que les valorisations apparaissent justifiées au regard de la croissance que l'on attend des résultats, des promesses de dividendes, mais il faut être toujours sélectif et s'assurer qu'une valorisation qui peut sembler un peu tendue soit justifiée par la capacité de la société à délivrer. Alors, dans l'ensemble, on a un PER, un ratio de cours sur bénéfice par action autour de 15, hein, près de 15 au CAC 40. C'est à peu près cohérent avec ce qu'on attend en matière de croissance des résultats et de rendement du dividende. Hein. C'est un facteur aussi important de soutien. Sur les sociétés européennes, on est à environ 3% de rendement du dividende.
Sur le CAC 40, il y a au moins une dizaine de sociétés qui délivrent du 4%. C'est très supérieur à ce qu'on peut trouver sur des placements obligataires, monétaires, ce qui fait que les actions restent quand même incontournables. Un actif incontournable. Pour dynamiser un portefeuille. Alors, vous l'avez dit, avec ce niveau de valorisation, on n'achète pas toute la cote, il faut être sélectif. Comment être sélectif? Qu'est-ce qu'on privilégie comme thème? Dans le revenu hebdo, vous donnez une sélection de 10 valeurs, on ne va pas toutes les dévoiler ici, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les thèmes à jouer? Il faut être simple, Marianne, et faire preuve de bon sens et privilégier les thématiques du moment. Quand on voit qu'on a de la croissance en zone euro, notamment en France, il faut plutôt privilégier des sociétés bien implantées en France et en zone euro. Par exemple, on aime bien une société comme Saint-Gobain qui peut être très bien placée pour tirer profit du rebond du secteur de la construction. On voit également qu'il y a eu beaucoup d'opérations financières en début d'année. Eh bien, c'est bien de mettre une opéable en portefeuille. Un titre comme Danone, qui par ailleurs a des fondamentaux assez intéressants, nous paraît bien dans cette optique. Il y a eu des rumeurs cet été, donc voilà. Et bien sûr, les valeurs moyennes aussi, on en retient quelques-unes. Bien sûr, les valeurs moyennes. Pourquoi les valeurs moyennes? Parce que ce sont souvent, pour les plus performantes d'entre elles, des sociétés de niche qui ont des positionnements très forts sur leur marché et qui sont relativement décorrélés des grandes tendances de l'économie. Donc effectivement, il y a plusieurs sociétés intéressantes. On peut penser à l'éditeur de logiciels pour la pharmacie Pharmagest, mais également au groupe Voyageurs du Monde, qui a un positionnement très intéressant sur le secteur du tourisme, mais également aux distributeurs de matériel de plomberie Thermador qui accélèrent ces acquisitions. Très bien, merci beaucoup Olivier. Donc l'ensemble de votre sélection est à retrouver dans le Revenu Hebdo en kiosque cette semaine, et l'ensemble de cette enquête donc sur les dossiers chauds de la rentrée. Autre dossier chaud de la rentrée, justement la fiscalité. Le gouvernement d'Édouard Philippe a confirmé des changements majeurs pour l'épargnant, hein, une flat tax, un impôt au taux unique de 30% sur les plus-values boursières, la réforme de l'USF, sans compter la hausse de la CSG. Laurence Ayard nous dit tout ce qu'il faut savoir en attendant que soient rendus les derniers arbitrages. La hausse de 1,7 point de la CSG prévue au 1er janvier 2018 touchera tous les revenus d'activité et d'épargne concernés. Mais la compensation prévue sur la feuille de paye des salariés par la suppression des cotisations maladie et chômage n'interviendra qu'en deux temps. Une partie le 1er janvier 2018, le reste à l'automne. Les effets positifs de la mesure ne seront donc perceptibles qu'en fin d'année prochaine pour le pouvoir d'achat des salariés. L'épargnant, le bailleur locatif et le retraité seront, eux, pénalisés par cette hausse de la CSG sans aucune contrepartie, contrairement aux salariés du privé. Pour des prélèvements sociaux de 15,5%, la facture passera donc à 17,2%. En revanche, les revenus des capitaux mobiliers, intérêts, dividendes, plus-values, seront soumis à une taxation forfaitaire unique de 30%, prélèvements sociaux inclus. Conséquence fâcheuse, pour l'assurance vie, ce taux unique de 30% s'appliquerait aux seuls gains des nouveaux versements vers les contrats supérieurs à 150 000 euros lors de leur rachat partiel ou total, un seuil malheureusement semble-t-il apprécié par personne physique et non pas par contrat. Enfin, l'ISF va évoluer vers l'IFI recentré sur les seuls actifs immobiliers et la taxe d'habitation devrait progressivement s'alléger avant de disparaître pour 80% des contribuables concernés. Voilà les principales mesures auxquelles vous devez vous attendre pour 2018. Merci Laurent. À retrouver également dans notre revenu hebdo en kiosque le 8 septembre notre analyse de l'action Carrefour. Alors que le distributeur est en pleine disgrâce boursière après un violent profit warning, Alexandre Bompard promet un plan stratégique avant la fin de l'année. Nous revenons par ailleurs sur la galaxie Vivendi. Les comptes se redressent, mais les doutes sur la stratégie de Vincent Bolloré demeurent. À lire notre dossier sur l'immobilier commercial. La cote parisienne abrite les principales foncières européennes opérant sur ce créneau. Retrouvez nos conseils sur 7 d'entre elles, dont Unibail, Klépierre et Carmila. Nous vous parlons enfin de deux placements, l'or, sous influence ces jours-ci des risques géopolitiques, et les fonds flexibles dont l'allocation d'actifs varie selon l'évolution des marchés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.